Salut à tous! Allez, on part sur un nouvel unboxing. Donc cette fois, on retourne dans l'univers de Spider-Man avec Silk, donc une fille qui a les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Donc c'est assez marrant dans le comics parce que les deux ont une attraction du coup bestiale et physique qui se fait entre tous les deux. Donc le personnage a été créé lors du, pour moi, le meilleur run de Spider-Man. Hein. C'est la porte d'entrée que j'ai prise pour les comics de Spider-Man, j'ai commencé par là. Et c'est vraiment une trilogie en trois gros comics. Chez Panini en Icons là qui sont vraiment excellents, je vous les conseille à tous. Donc moi j'ai pris la version exclusive. Donc la version exclusive en fait elle rajoute le portrait alternatif où elle a le masque, donc c'était obligatoire pour moi, je pouvais pas l'avoir sans le masque. Hein. Donc il y avait 500 exemplaires. C'est du 1/6. Allez, on va ouvrir ça. Donc voilà, vous avez le corps qui est en deux pièces, hein, parce qu'on a le corps sans la tête, forcément vu qu'il y a deux portraits. Un portrait ici, un portrait ici. On a les gargouilles pour la base qui est là-bas. Et la toile d'araignée qui doit être quelque part. Allez, maintenant on va monter ça. Voilà la base. Vous allez poser la figurine ici. Vous avez des trous sur les côtés pour mettre les gargouilles, donc avec une toile d'araignée en fond au-dessus du, en dessous du lampadaire du coup. En dessous. Silk statue, il y a le logo de Sideshow, j'ai le numéro 495 sur 500, Marvel, c'est officiel. Voilà. Donc en fait, il faut mettre ces petites gargouilles autour, il y en a trois. C'est aimanté ici. Pour le coup, c'est plutôt simple à mettre. La première, hop. Une là. Oui, ça, c'est aimanté, donc ça y va tout seul. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, le buste du personnage. Enfin, le corps en entier sans la tête. Hein. Voilà, ça c'est le costume qu'elle s'est fait. Hein. On voit que pour la faire tenir, ça se passe sous ses fesses. Là, il y a ça qui permet de l'accrocher. Voilà, un bon gros morceau de résine aussi. Ça va être assez facile à placer. Voilà. Avant de mettre la tête, on va mettre la toile. Donc en fait, il faut les hop comme ça, et là il y a un petit trou pour mettre les doigts. Voilà. Plutôt sympa. Ça j'avais bien aimé, donc forcément c'est du PVC hein, la toile, hein, sinon ça se casserait bien trop facilement. Enfin, on va passer au visage. Donc ça c'est la tête de la version régulière, donc sans le masque. C'est ce que vous aurez hein, si vous commandez en dehors de Sideshow directement. Bon, les cheveux sont bien faits. Hein. C'est tout en résine. Hein. Du coup, j'ai pas de point de casser. Parce que ça pourrait casser assez facilement. Ils sont foulard rouge. Plutôt joli. Regard vers le haut. Et avec le masque que je préfère largement. Le perso est assez stylé en plus. Hein. Donc pareil, c'est une petite tige en fer à fixer. Donc ça bouge pas, il n'y a pas de problème. La même coupe de cheveux dans le vent. Plutôt dynamique, hein. La pose est assez dynamique, c'est plutôt sympa. Allez, on va la mettre. Alors c'est la petite tige en fer, plus c'est aimanté. Donc au moins, aucun risque que ça bouge. Voilà. Donc c'est une collection hein, qu'ils ont fait, la Spider-Verse collection. Donc vous avez aussi Spider-Man. Donc pareil avec la tête à moitié, on voit la moitié de son visage et la tête masquée. Vous avez aussi Spider-Gwen, donc un univers alternatif, hein, d'où le Spider-Verse. Personnage que j'aime beaucoup, donc c'est pareil, la version standard de Gwen, c'est sans le masque, ça c'est dommage, donc il faut aller chercher la version exclusive hein, si on veut le masque. Alors j'adore Spider-Gwen, mais du coup j'aime pas spécialement la statue, donc je l'ai pas prise. J'ai pris Silk, c'est tout. Allez maintenant on va zoomer là-dessus. Thank you.
Voilà. Donc c'est une figurine 1/6, tout en résine, avec juste la toile en PVC. On est sur 37 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 18 cm de profondeur, pour 3,6 kg. Donc deux portraits, sachant que le portrait sans masque, il n'y a pas de petite tige en fer, hein, mais l'aimant est quand même assez puissant. Mais bon, ça peut quand même être un peu plus fragile qu'avec la tige en fer, hein, qui fait une sécurité en plus. Donc c'est une figurine que vous pouvez encore trouver, hein. Donc elle est sur Sideshow à 425$ et vous avez même moins de 40$ avec un coupon, il en reste quelques-unes encore. Ou sinon c'est 415$ pour la version régulière, vous pouvez enlever aussi 40$ et celle-là est limitée à 1000 exemplaires, contre 500 pour la exclusive. Sinon vous pourrez la trouver sur des sites français, elle était à 510€ de mémoire. C'est plutôt le prix que je l'ai payé en passant par Sideshow, hein. Je crois que j'en ai eu pour 480 en tout, avec la douane et les frais de port. Donc j'ai dû gagner 30€ à peine. Donc vous voyez, pour comparer la taille par exemple, par rapport à un comics, elle est quand même assez grande, hein, c'est plutôt sympa, elle a pas trop de profondeur, donc du coup on la place assez facilement dans un meuble. Et c'est plutôt ça que j'aime bien, c'est que le socle est assez original et ça c'est plutôt sympa. Bon, par contre faut vraiment prendre la version exclusive avec le masque, hein, je pense. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, pour me dire ce que vous pensez de Silk. Ou même si vous voulez la découvrir dans des comics, posez-moi les questions, hein, je vous dirai par quoi où la chercher, par quoi commencer, etc. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous.